Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voici le modèle que nous allons réaliser. Mais avant de commencer, je vais vous inviter, si vous êtes nouveau à la chaîne, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vais insérer une diapositive vide. Toujours dans Insertion, je vais insérer une forme, je vais insérer une courbe. Dans la hauteur, je vais mettre 14,7 et dans la largeur, je vais mettre 11,3. Je vais valider sur Ancrer. Je vais déplacer comme ceci. Je vais cliquer sur ce point pour arrondir les coins. Je vais cliquer ici et je vais un peu remonter comme ceci. Je vais déplacer et positionner un niveau ici. Dans les contours et dans épaisseur, je vais sélectionner croix. Pour la couleur des contours, je vais sélectionner cette couleur-ci. Je vais toujours me rendre dans insertion et cette fois-ci, je vais insérer un cercle. Dans la hauteur, je vais mettre 0,7. Et dans la largeur, je vais faire pareil, 0,7. Dans les contours, je vais me rendre dans épaisseur et je vais également indiquer croix. Le remplissage, je vais sélectionner la couleur blanche et la couleur des contours, je vais sélectionner cette couleur-ci. Je vais déplacer comme ceci. Je vais une fois de plus me rendre dans Insertion et je vais insérer un cercle. Je vais juste laisser comme ceci et dans les contours, je vais sélectionner cette même couleur et je vais faire pareil pour le remplissage, cette même couleur. Je vais déplacer et positionner à un niveau ici, comme ceci. Je vais cliquer sur cette flèche-ci pour ouvrir le format de la forme et je vais me rendre dans Effet. Dans Ombre, je vais venir sur présélection et je vais sélectionner ceci. Je vais juste baisser ici la taille. Je vais laisser à 98 comme ceci. Et je vais fermer le format de la forme. Je vais essayer de s'ancrer ceci par rapport à la page. Vous pouvez utiliser la touche de direction pour déplacer avec plus de précision. Dans Insertion, je vais insérer un trait. Je vais dessiner comme ceci et je vais faire pareil. Je vais mettre ces mêmes contours et je vais faire pareil pour l'épaisseur. Je vais mettre à croix. Je vais sélectionner ce cercle-ci et je vais appuyer sur la touche CTRL D pour dupliquer. Je vais mettre un niveau ici. Je vais essayer de s'ancrer par rapport à ce point-ci pour que ce soit au milieu, donc comme ceci. Et vous pouvez utiliser la touche de direction pour déplacer avec plus de précision. Je vais une fois de plus appuyer sur CTRL D pour dupliquer et je vais positionner au centre. Je vais me rassurer que ce soit au centre. CTRL Z pour annuler. Ok, comme ceci au centre. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur CTRL D une fois de plus. Dans Insertion, je vais insérer une zone de texte. Ici, je vais juste mettre le numéro. Je vais augmenter la taille d'écriture.
Je vais laisser à 44. Je vais positionner là dans mon cercle. Je vais changer de couleur. Je vais mettre la couleur blanche. Comme ceci. Je vais sélectionner les deux. Et je vais un peu déplacer vers le bas. Je vais me rendre dans Insertion et cette fois-ci, je vais venir sur Icône. Je vais sélectionner l'icône qui me convient, par exemple ceci, et je vais cliquer sur Insérer. J'ai mon icône qui apparaît, je vais réduire la taille comme ceci et je vais déplacer et mettre là. Pour changer la couleur, je viens juste là. Sur remplissage de l'image, je sélectionne la couleur qui me convient. Donc, si vous avez une zone de test que vous voulez ajouter là, c'est simple. Vous venez dans Insertion, Forme, Zone de test, et vous dessinez votre zone de test. Vous ajoutez le test qui me convient. Par exemple, je vais mettre là mon tigre 1. Vous pouvez bien évidemment ajouter les mises en forme que vous voulez pour vos critiques. Ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner le cercle et ce crayon-ci. Et dans format de la forme, je vais cliquer sur grouper pour avoir un seul objet. Je vais sélectionner comme ceci et appuyer avec le cercle, bien sûr, avec la zone de test. Et la forme, donc je vais tout sélectionner et appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais positionner là. Je vais un peu déplacer ceci vers le bas comme ceci. Ok, je vais supprimer ceci. Je vais tout sélectionner et appuyer sur CTRL D une fois de plus pour dupliquer. Je vais un peu déplacer ceci. Je vais changer les zones de texte. Vous pouvez changer les icônes en sélectionnant l'icône et en vous rendant dans format graphique, puis dans changer. Et si vous avez à partir d'une icône, vous pouvez également changer à partir de quelque chose que vous avez dans la machine. Ici, je vais sélectionner à partir d'une icône et je vais sélectionner mon icône. Je vais sélectionner par exemple ceci et je vais cliquer sur insérer. Là, nous avons l'icône qui a été remplacée automatiquement. Donc, vous allez faire pareil sur tout le reste. Maintenant, je vais commencer à changer les couleurs. Je vais sélectionner ceci. Je vais venir dans Contour. Je vais sélectionner ceci. Je vais faire pareil pour le remplissage.
Je vais me rendre dans Animation, puis je vais cliquer sur Volet d'animation. Je vais sélectionner ceci et je vais ajouter Balayer. Option de l'effet à partir du haut. Je vais sélectionner là. Je vais ajouter le zoom. Balayer. Option de l'effet à partir de la gauche. Je vais sélectionner les deux. Fondu. Je vais venir là. Démarrage après le précédent. Après le précédent. Et je vais également indiquer ici. Après le précédent. Je vais sélectionner ceci. Je vais reproduire l'animation et je vais cliquer ici. Je vais faire pareil. Sélectionne là. Reproduire. Si je lance l'aperçu, nous aurons ceci. C'était tout pour cette vidéo, les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.